Bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'est la 1.20 est terminée depuis longtemps, donc j'ai fait la vidéo pour la 1.20 est finie depuis très longtemps. Voilà. Donc dans cette 1.20 qu'ils ont ajouté plein de choses, et surtout plein de fonctionnalités, c'est-à-dire des fonctionnalités que nouveau et qu'on a. Dans les fonctionnalités qu'il y a, il y a plein de nouvelles fonctionnalités déjà. Donc les fonctionnalités qu'on aurait, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Voilà. Donc si vous n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche, me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout ça dans la description, Facebook, Instagram, X, Twitter, vous pourrez lancer un Twitter, voilà. Donc je vais vous montrer les nouvelles choses à peu près. On commence par l'icône d'accueil avec le biome cerisier, voilà, je vais vous montrer. Donc maintenant, normalement, si je ne me trompe pas, j'avais pas crié merde, ça va. Donc en fait, normalement, il y a une nouvelle interface du jeu, je ne sais pas si c'est pour cette version. En fait, une nouvelle interface, c'est ça à peu près. Donc, une nouvelle interface, je sais pas si c'est vraiment pour celle-là. Donc, voilà. Espérons c'est ma map. Bon. Donc, je vais vous retrouver sur la map que j'ai préparée pour la fin de l'après-midi. Et demain, je fais une vidéo pour la prochaine mise à jour, tu vas sortir le 15 octobre, donc on est déjà en mois d'octobre normalement. Donc la semaine dernière, j'avais pas fait de vidéo parce que je cherchais un village dans le désert. J'ai pas trouvé de village dans le désert parce que je sais pas pourquoi. Je cherchais tellement de désert, là, et pas tellement, mais bon, c'est pas grave, j'ai créé un village. Bon, vous allez voir dans la vidéo. Donc on va aller sur la map que j'ai créée. Pour exprès pour ça, donc on va se retrouver. Donc allez, à tout de suite. Retourne, voilà. Donc voilà, c'est la map que j'ai dit tout à l'heure là. Donc tout à l'heure là, j'ai fait l'intro. Donc là, on est sur la map que j'ai préparée pour la 1.20 définie, voilà. Donc à tous ces nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés, voilà, les armes custom, tout ça. Donc je vais commencer par ici, après je vais faire tout le tour comme ça pour vous montrer après. Donc voilà, donc on va commencer par ici. Donc ils ont ajouté les bambous et le cerisier comme mise à jour 1.20. Avec tout ça, on va voir ça après. On commence ici, donc voilà. Donc j'ai parlé aussi des fonctionnalités, des nouveaux tout aussi, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc là, on commence par le cerisier. Donc le cerisier, c'est un nouveau arbre, voilà. Donc la nouvelle arbre, là, il y a les blocs de cerisier, les blocs de parquet, voilà les blocs, les barrières, des blocs, des barrières, des potions, des dalles. Des escaliers, des portes, des trappes. Et l'arbre en question, là, le tronc, c'est la même chose, donc comme tous les arbres. T'as la feuille, t'as aussi des fleurs, voilà, des fleurs, voilà. Et aussi, on peut faire des bateaux aussi, voilà. Donc, il va faire une boîte. Il va faire une. Voilà. Donc, à peu près là. T'as le cerisier, voilà, comme ça c'est. Si vous voulez savoir, il faut aller voir les biomes. Tu faisais flash biome cerisier, normalement. Donc on va voir, je vais vous montrer ça à la fin, peut-être à la vidéo. Peut-être à la fin de la vidéo, je vais vous montrer. Là aussi, ok? Donc voilà. Donc on va faire ça à la fin de la vidéo, comme ça, il faut vous montrer. En plus, ça lâche, en fait, ça fait des petits pacules, voilà, vous voyez, des pacules. Donc voilà, il y a aussi les bambous qu'ils ont ajoutés. Pas le bambou, hein. Le bambou est déjà là depuis longtemps. En fait, l'arbre du bambou, le bambou déjà depuis la 1.1 quoi encore. La 1.1, allez, c'est quoi là encore la 1.13, non.
C'est quoi encore les bons, on avait les bons bouts avec les pandas, tout ça, c'était quelle année? C'est quelle version encore? C'est plus donc. Hein. Donc ils ont ajouté les bons bouts en bloc, les barrières en bons bouts, les escaliers en bons bouts, tous les deux sortes, des portes, des trappes, des demi-dalles et des bateaux et des tout en bons bouts. Ouais. Donc normalement pour faire ça, pour faire les trucs comme ça. Faut prendre les bons bouts et mettre ça sur une table de craft, voilà. Donc voilà, tout, les bateaux, la pousse d'arbre, voilà. Je monte, voilà. Donc voilà. Donc là, je fais ça vite fait, je parcours parce que normalement, une autre vidéo va sortir tout à l'heure. Donc le trois vidéos va sortir dans cette, dans aujourd'hui, trois vidéos, voilà. Là, c'est la première vidéo va sortir, donc voilà. C'est pour ça que je le fais vite pour finir vite fait et taper l'autre, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est seulement les cerisiers et les bambous, voilà. C'est la même chose, les bateaux, voilà, les bateaux, les tout ça. Donc maintenant, on va passer à l'autre ce coin-là, ça. Donc maintenant, pour vous dire que avant, normalement, pour faire un bateau sur Minecraft, sous Bedrock, voilà. Avant, pour faire un bateau sous Bedrock, il faut avoir du bois et une pelle. Avant, sous Minecraft, sous Bedrock, il faut avoir, pour faire un bateau, avec les rames, tout ça, il faut avoir un bateau, ok, il faut avoir, comme ça, il faut faire ça comme ça à peu près. Ça, c'était l'ancien craft, voilà. Là, c'est le nouveau craft. Donc là c'est l'ancien craft que vous voyez ici. Attends, je vais mettre un truc pour vous montrer. Voilà. Attendez. Voilà. Donc là, ici, vous voyez là, c'est l'ancien craft. Et là, c'est le nouveau craft. Voilà. Voilà. Là, c'est l'ancien craft et le nouveau craft. Ils ont changé le craft. Voilà. Donc maintenant, pour faire un bateau, il faut faire ça comme ça maintenant. Donc la preuve, je vais vous montrer. Donc normalement le craft maintenant c'est comme ça. Hop voilà. Donc ils ont changé le craft du bateau, voilà. Ah bah, donc maintenant ils ont changé le craft du bateau, maintenant c'est comme ça. Donc sous version Bedrock. Hein. C'est comme maintenant sous la version Java, c'est la même chose que voilà. Donc ils ont un petit peu mettre la même chose voilà sur les deux versions, voilà. Donc maintenant on peut faire ça comme ça, donc voilà. Ça a changé depuis la 1.20, voilà, pour vous dire, voilà. Donc maintenant on a fait ça et ça, j'essaie d'aller vite pour faire la vidéo tout à l'heure, donc voilà. Donc maintenant on va passer aux nouveautés, là maintenant, là des nouveautés. Donc on peut faire maintenant des barrières, des panneaux comme ça. Et aussi on peut écrire. On peut écrire normalement. On peut pas faire ça dans cela, donc c'est pas grave. On peut écrire dans ces sortes de barrières, voilà. On peut faire ça comme ça. Voilà, on peut marquer ça comme ça. Voilà, on peut faire ça comme ça. Et aussi, on peut. C'est la même chose, donc c'est des panneaux. Bon. Voilà, c'est des nouveaux panneaux, voilà. Le craft du nouveau panneau, c'est ici. Donc il faut avoir les chaînes et des blocs d'arbres écossais. Tandis qu'il faut avoir des blocs d'arbres écossais, pas des blocs normaux. Des écossais. En fait, c'est des blocs écossais. Voilà. On fait ça comme ça. On met ça là. Voilà. Donc on fait 6. Donc on fait 6. Voilà. On fait 6. On met deux chaînes. Voilà. On met deux chaînes. Et voilà. Ça vous donne 6, 6, voilà. Ça vous donne 6 de panneaux, voilà. Des panneaux comme ça, on peut mettre ça comme ça, sur les côtés, en haut comme ça, donc voilà. Donc aussi, on peut marquer, voilà. Voilà. Donc là, j'ai montré le cerisier, les machines, ça. Donc j'essaie de faire ça moins long, parce que sinon, ça sera trop long. Voilà. Donc maintenant on va passer aux nouveautés qui se trouvent ici là.
Donc ce nouveau bloc qu'ils ont ajouté, c'est celui-là. Donc celui-là, c'est la même fonctionnalité. En fait, celui-là, c'est la même fonctionnalité que celui-là, en fait. Donc sauf pour le faire, il faut avoir des custos. Les custos et exactement un des scratchers, ça. Un des blocs de. Qu'est-ce que ça, voilà. Qu'est-ce que. Ouais, bon, pas grave. Et le craft se trouve comme ça. On met un sculpture, on prend les cristaux, on les met comme ça. Voilà. Donc c'est des éclats de on sait pas quoi. Des éclats de améthyste, voilà. C'est ça, d'améthyste, ouais. Donc pour atteindre les éclats d'améthyste, il faut avoir soit touché de soie, ou soit touché de soie, tout ça. Donc c'est la même fonctionnalité que celui-là. Donc celui-là, c'est la même chose que celui-là. Voilà. Donc là, rien du tout à vous dire. Voilà. Donc si vous voulez voir le craft, voilà, le craft, merci. Voilà le craft. Et voilà le craft des panneaux. Donc si vous voulez mettre la vidéo sous pause, voilà. Là, c'est le craft du bateau. Ils ont maintenant changé le nouveau craft du bateau. Voilà. C'est comme version Java. Voilà. Nouveau craft, voilà, tous les nouveaux crafts, voilà. Donc maintenant on va passer ici à tout ça et après c'est bon. Voilà. Parce que la vidéo va durer beaucoup de temps déjà, j'ai pas envie que ça dure longtemps. Allez, s'il te plaît, tu peux partir s'il te plaît. Oh là là. Après c'est ma traitance. Allez, merci. Allez, dégage. Allez, allez, allez. Merci. Ah, il n'a pas coupé en fait. Bon, c'est pas grave. Donc aussi, s'il dégage, s'il te plaît. Oh, mais il veut pas dégager à ses animaux. Allez, allez, s'il te plaît. Allez, dégage, allez, allez. Non, pas par là. Oh là là, mais il est chiant. J'ai dit pas par là, par là. Allez, 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 allez. Toi, allez, dégage. C'est pas possible. Sors de là, j'ai pas besoin de te voir là, j'ai quand même faire ça vite fait quoi. C'est bon? Oh là là, on n'entendra que ça là, c'est pas droit. Attends. Je pense que je vais baisser le son des animaux parce que. Je vais baisser le son des animaux pour entendre parce que là en fait on n'entend que eux. Voilà. Donc je baisse le son vite fait dans le son au dos. Voilà. C'est quoi, il faut que je baisse bloc, ouais, pas bloc, parce qu'on n'entendra pas ça. Musique, non. Je cherche le son qu'il faut que je bloque, parce que là. C'est quoi le son qu'il faut que je bloque? On les entend? On les entend. C'est quoi le son que je vais bloquer parce que là, ça? Eh ben, c'est pas attends, le son quoi. Ah non, mais j'espère qu'il est revenu, c'est pas possible. Je cherche le son que je bouge parce que là. Comment ça, hein, comment ça t'attends? Mais il est sérieux là? Dégage, sérieux là? Vous faites ça espoir pour me faire déconcentrer quoi? Oh là là. Ah désolé, j'ai. Désolé, attendez. Voilà. J'ai pas envie d'entendre ça. Voilà. Voilà. J'ai pas envie d'entendre ça. Voilà. Terminé. Allez. Ah non, non, non. S'il te plaît, merci. Voilà. Donc là, on peut pas entendre. Putain, je veux. En fait, je vais. J'entends tous les bruits des animaux. En fait, je sais pas comment. J'essaie de régler le problème.
Attends, je sais pas. Attends, non, c'est dans le son. C'est pas musique, c'est la musique du jeu. De quoi? Mais je sais pas si on va attendre. Je sais pas si on va attendre que je montre en fait, c'est ça le problème. On n'entend pas, putain, je sens qu'on va pas entendre sur la vidéo. Désolé, je sens qu'on va pas entendre ça sur la vidéo, donc j'essaie de régler ce problème. Je sais pas, je vais vous reprendre un point, attendez. Là, c'est le son de la pluie, on va prendre ça. Son de machin, je sais pas quel son qu'il faut que je baisse parce que là, normalement, c'est le son des animaux aussi. Donc, attends, on va essayer de baisser ça pour voir. Ouais, voilà. J'espère que c'est ça, on va pas entendre. Eh ben ok, bon, j'ai rien dit. Ah, j'espère qu'au moins régler ça parce qu'en fait, en tant que les bouts des animaux, j'ai pas envie d'entendre. Voilà, attends, attends. C'est quoi que je veux passer? Je baisse tout, hein, je sais pas pourquoi. Quoi, c'est passé quoi? J'attends que ça. Oh là là, c'est chiant. Désolé, c'est un peu chiant d'entendre que ça. J'attends. Ok, c'est bon, j'ai tout fait, toute furie, merci. Non, pardon, j'ai pas couvert tout. Est-ce que j'ai trouvé tout? Ok, j'ai trouvé tout, c'est bon. Là, on n'entend plus les animaux, c'est toi qui en est tranquille. Voilà. Donc voilà. Donc je vous disais qu'on a des nouveaux bruits, des nouveaux trucs à faire. Donc on prend les music blocks, les sortes de trucs là. Et on peut mettre des têtes dessus. On peut mettre des têtes dessus pour entendre les bruits. T'as le bruit du zombie. Des creepers, des dragons, attendez, fini. Alors, des dragons, des squelettes du Nether et d'un piglet. Voilà. On peut soit les toucher comme ça, ou soit les toucher avec les boutons. Voilà. Donc, c'est ça qu'ils ont ajouté dans la 1.20. Voilà. Donc là, 1.20, ils ont ajouté ça aussi. Donc on a vu tout ça. Donc maintenant, on va passer au nouveau CD qu'ils ont ajouté. Voilà, ils ont ajouté un nouveau CD. Voilà. Donc je mettrai le son pour entendre, voilà, les sons, le nouveau CD, quoi. Pour vous, voilà. Donc voilà, je mettrai le son, voilà, de tout le monde parce que sinon, voilà. Je mets tout. Voilà. Hop, je mets tout en fait, hein. Voilà, comme ça, j'aurais pas envie de. Voilà. Sauf la météo, je laisse parce qu'il y a encore eu plus, j'ai pas envie, voilà. Par contre, ouais. Attends, attends, je sais quoi faire parce que sinon, on va attendre que ça. Avant de remettre le son des animaux, on va. C'est quoi encore? C'est ça, non? Donc je vais vous faire écouter le nouveau CD, voilà, qu'ils ont ajouté. 1.20, c'est celui-là. Donc le nouveau CD, on le trouve soit dans les bastions ou soit dans les sculptures qu'on va voir après. Donc je vous laisse écouter le son. Allez.
Donc voilà, le CD est terminé. Donc voilà, je que la témoignage, si vous avez pas la témoignage, vous avez bien écouté le son. Voilà, c'est un nouveau CD. Donc on le retrouve soit dans les coffres des. Soit dans les coffres des donjons, soit dans les ruines, on va voir, ou soit dans les endroits comme ça, particuliers, voilà. Donc on va. Hop là. Donc maintenant on va parler des nouveautés encore. Donc là, des nouveaux tout encore. Donc maintenant on a une nouvelle bibliothèque. Voilà. Donc on a une nouvelle. Pas grave. Donc on a une nouvelle bibliothèque. D'accord, on n'entendra que le portail. J'ai pas envie d'entendre le portail. Bon, c'est pas grave. Donc on a une nouvelle bibliothèque. Le craft de la bibliothèque se trouve là. Donc c'est des blocs de. Des blocs. Voilà. Attends. C'est des blocs de chaîne. En fait, c'est des planches. Voilà. Donc vous prenez des planches et des dalles. Oh, le portail en fait. Oh là là. Attends, je baisse le son dans mes oreilles. Parce que voilà. Donc c'est pour éviter d'entendre le portail. Voilà. Donc là, en fait, là, le craft de la nouvelle bibliothèque. On peut mettre des livres comme ça, voilà. On peut mettre des livres normaux, des livres enchantés, voilà. Pour faire une sorte de bibliothèque, voilà, dans votre maison, dans votre base, tout ça. Donc le craft, c'est des planches et des demi-dalles. Donc ça se trouve, il faut mettre ça comme ça. Trois planches en haut, trois planches en bas. Et trois demi-dalles en bas. C'est comme ça. Donc le craft c'est ça. Ouais. Donc je vais sauvegarder le craft. Voilà. Donc le craft c'est ça. Donc voilà. La texture de déjà la plus. La deux textures. La texture d'en haut c'est comme ça. La texture en bas. Et comme ça, c'est la même chose sur les côtés. Donc la texture sur les côtés, c'est la même chose, vous voyez. Voilà. Donc le craft c'est ça, je vais laisser regarder le craft, voilà. C'est deux planches en haut, deux planches en haut, deux planches en bas, demi-dalle au milieu, voilà, pour vous donner la nouvelle bibliothèque. On a les anciens et les nouveaux bibliothèques maintenant. Donc on peut faire maintenant avec les nouveaux bibliothèques des passages secrets, voilà. Comme là c'est une sorte de idée que je vous montre là, c'est comme si là c'est comme si c'était ma base, voilà, c'est comme si c'était ma base avec une bibliothèque géante, voilà, et t'as plein de livres, voilà. Pour ouvrir le passage, il faut que je ouvre, il faut que je prends un des livres qui se trouve ici là. Je vous montre un des livres qui est ici là. Donc un de ces livres qui est là, merci le lama. Donc un de ces livres qui se trouve là. Tu ouvres le passage, ok? Je vous laisse deviner c'est lequel tu ouvres, lequel tu fermes le passage. Ok, je vous laisse deviner. Voilà. C'est un de ces livres là, ça, tu ouvres le passage et tu fermes le passage. C'est un des un ah mais un de ces livres. Voilà. Allez, c'est parti, ils viennent tous devant moi. Alors là, je peux vous dire. Donc c'est soit. C'est soit le bleu, le vert, le rose, je pense, ou le marron, le bleu. Là, deux bleus, un haut, un bas. Soit le livre enchanté, voilà. Donc je vous laisse quelques secondes pour me dire lequel qui ouvre le passage. C'est quoi que vous voyez là, le système. Donc le système, il faut avoir un, soit vous faites ce que vous voulez dans le système. Soit des serveurs. Oh merde. Désolé. Soit vous prenez des serveurs ou soit des comparateurs ou que ce soit, voilà. Donc voilà. Donc je vous laisse pas deviner, je vous laisse tranquillement deviner. Donc je vous montre c'est quoi le passage, je vous montre c'est quel livre. Donc en fait c'est le livre bleu pour voir le passage, voilà. Donc on dépose le livre bleu, voilà. Donc c'est le livre bleu pour voir le passage, voilà. Le pont du passage secret, voilà. Merci la pluie, merci, fait déjà nuit, voilà. Donc voilà. Donc pour fermer le passage,
faire le passage, il faut prendre lequel? C'est le marron, voilà. Et voilà. Donc vous avez vu, le bleu pour le passage, le marron pour fermer. Donc sous Java, je sais pas si on pourrait faire ça comme ça doit prendre un livre, je sais pas. S'ils ont cette fonctionnalité, je sais pas. Donc je sais pas sous Java, s'ils ont la fonctionnalité de prendre un livre comme ça. Donc, et c'est sous Bedrock qu'ils ont la possibilité de faire ça. Voilà. Donc voilà. Donc là maintenant, on va passer de ce coin, de ce côté-là, ça, pour vous montrer. Voilà, merci. Pour vous montrer les nouvelles armures customisées. Donc c'est des armures custom, voilà. Depuis la 1.20, on peut custom les armures, voilà. Donc on a fait tout ça, voilà. Bon, j'ai dit. Donc on peut faire toutes ces armures customisées. Donc pour le faire, il faut avoir la table ici. La table de. Maintenant ça a changé le nom. Maintenant ça a changé. Ça s'appelle armure. Ça s'appelle armulaster d'équipement. Voilà. Donc en fait, pour avant, avant c'était cet outil-là, ça, on pouvait faire des toutes de Netherite. Avant, on mettait un ton de Netherite et un diamant. C'est ça, non? Normalement, avant, on avait ça. Normalement, on mettait un équipement avec un ego de Netherite pour avoir un armure en Netherite. Maintenant, ça a changé. Je vais vous expliquer ça dans un quart d'heure. Voilà. Donc, pour customiser votre armure, donc il faut avoir, bien sûr, j'ai tout préparé pour vous. Voilà. Donc je vais prendre par exemple une armure entièrement. Voilà. Il faut avoir comment dire ça, de comment dire ça, de objet. En fait, on peut trouver ça, ce nouveau truc là, ça que vous voyez là dans les commentaires, dans l'inventaire. Voilà. Dans l'inventaire, vous trouvez ça dans l'inventaire. On le trouve, en fait, on trouve ça dans les anciennes ruines ou dans les coffres, dans les cités, dans les bastions, comme ça. Donc voilà, dans tous les tout, on peut trouver ça. Voilà. Donc le craft, normalement, je vous montre. Donc pour utiliser ça maintenant, il faut mettre l'objet en haut. Donc le truc que vous voulez mettre sous l'armure en bas. Et l'armure au milieu. Donc ça fait voilà une armure, voilà, customisée, voilà, les armures custom, voilà. Et voilà, donc là j'ai une armure custom, voilà, en diamant. C'est comme cela, voilà, des armures custom, là plusieurs custom, voilà. Donc là plusieurs custom, la custom, la plusieurs types de customisés, voilà. Je vais vous montrer les. Donc que je disais, voilà, les armures custom, voilà. Voilà. Donc voilà l'armure customisée, voilà. En diamant avec des custom. Donc je vais vous montrer tout un custom, voilà. Et je vais vous montrer tous les. Attends, je vais vous montrer tous les tout un custom. Donc tous les tout on peut trouver dans les coffres. Dans les coffres, voilà, ça comme ça, c'est tout ça, voilà. T'as tout cela, tout voyez là, c'est-à-dire tout que vous voyez là, tout ça que vous voyez là, c'est pour custom votre armure, voilà. Voilà. Donc tout voyez là, c'est pour custom votre armure. On les trouve dans le Nether, dans les bastions. Comment ça s'appelle encore, les trucs de Disney, encore, comment ça s'appelle encore, là, tous les blazes, comment ça s'appelle encore, bon, dans les bastions, dans les ruines abandonnées, dans tout ça, de tout, voilà. Donc, on les trouve dans tout ça. Donc, voilà. Donc, maintenant que vous savez pas, on peut pas faire les armes en azurite comme avant. Donc pour avant, mettez une armure en diamant,
plus un lingot d'azote. Maintenant, il faut aller dans le nether. Voilà. Donc, j'ai préparé tout ça pour vous. Voilà. Et après, on va passer ici. Après, on va passer là. Après, c'est terminé. Voilà. Après, des fois, ça nous dit, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va aller dans le nether. Voilà. Dans le nether, pour vous montrer, là, il faut faire. Là, il faut prendre pour avoir une arme en azote. Parce que là, on ne peut pas avoir une arme en azote. Je vous montre. On ne peut pas avoir une arme en azote. Attends, je vais monter. On va rentrer dans le nether pour vous montrer là on trouve pour avoir le sort de nouveau quoi le nom, j'ai oublié le nom, voilà, j'ai oublié le nom, c'est ça s'appelle quoi encore les vite fait, ça s'appelle les mots délire de changement. C'est les modèles de forge. Voilà. Donc on va chercher, je vais vous montrer c'est quoi le modèle de forge pour avoir la mire en Ezreal. Parce que ça a changé comme je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer dans le Nether, je fais une ellipse, on va se retrouver maintenant dans un quart d'heure. Mon route, tout le monde en arrivé, voilà. Donc il faut trouver un bastion, voilà, un bastion, peu importe. Des fois on trouve pas ça dans les coffres, se trouve là. Si vous trouvez un bastion avec une salle de trésor, voilà. Donc il faut trouver celui-là, voilà. Celui-là il faut trouver celui-là, voilà. Donc il faut trouver ce sort de custom, voilà. On va le prendre. Et normalement, une fois on a ça, normalement. Il faut prendre normalement ça. Il faut prendre. Attends, je le prends ici. Donc il faut prendre. Il faut prendre la rouge du Nether. Voilà. Donc une fois on a la rouge du Nether ici, ça. Voilà. Une fois on a tous les deux. On retourne à la zone de test. Voilà. Donc je retourne à la zone de test pour vous montrer comment dupliquer. Et comment mettre l'armure en ézérite, ok? Donc on va se retrouver tout de suite, j'ai fini l'épisode, on se retrouve devant la zone de test, ok? Allez, à tout de suite. Alors, donc tout le monde, voilà. Donc pour vous montrer comment faire une armure en ézérite maintenant, pour faire une armure en ézérite, il faut avoir tout préparé là-dedans. Ah non, j'ai pas préparé, donc. Non, attends, je vais vous montrer, là, ça. Donc pour faire une armure en azurite, il faut avoir bien sûr une armure en diamant, voilà, comme d'habitude, en armure en diamant, avec sa nouveau avec les trucs qu'on a récupéré dans le Nether, ok, avec un lingot de Nether, ok. Donc il faut avoir un lingot de Nether. Et plus de tout qu'on a occupé dans le Nether, ok? Donc on le place le lingot en bas, la mur en haut et le truc qu'on a récupéré dans le Nether en haut. Donc ça te donnera un amour Netherite, ok? Et oui. Ah merde, ce que ça m'a donné. Oh, c'est vrai, attendez. Voilà, je vais vous montrer, c'est ça en fait. Hein. D'accord, je vais mettre plusieurs parce que hop, voilà. Voilà. Donc c'est pour vous montrer, voilà. Voilà. Donc là, c'est la monnaie, il faut avoir cette là, ça, on la trouve dans le Nether. Dans les bastions. Voilà. Donc on la trouve dans les bastions pour faire les armures en Nether. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris où on la trouve. Regardez, là je l'ai pris. C'est dans le bastion on le trouve, ok? On va passer sur le craft. Attends, hop, on va mettre ça. Donc, on va passer sur le craft. On va prendre un seul. Attends, on va prendre un seul, j'ai dit.
Un seul. Je vais vous montrer à peu près. Attends, pour dupliquer maintenant, on va vous montrer pour bon, dupliquer les toutes, voilà. Ok, voilà. Je vais voir comme diamant encore. Donc pour dupliquer, ça doit faire une duplication, voilà. Donc il faut faire le craft, voilà. Le craft pour dupliquer le voilà. Donc le craft pour dupliquer le voilà. Donc il faut avoir 4, 5, 6 il faut avoir 4, 5, 6, 7, 7 diamants. Le tout pour dupliquer et des pierres. Donc ça dépend lequel vous avez. C'est-à-dire, si vous avez celui du nether, il faut avoir le truc du nether. Donc voilà. Donc il faut mettre ça comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc en réalité, quand on fait ça, c'est dupliquer en duplique. Ok. Voilà. Donc ça donne en fait compte 2. Ça dépend peut-être si on met plus de diamants, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend si on met plus en fait, voilà. Ça dépend si on met plus de terre de diamants. C'est où encore fait là. Donc si on met ça, ou ça met ça donne 2. Donc ça donne 2 en fait, voilà. Pour dupliquer, vous avez vu à peu près pour dupliquer, donc il faut avoir les diamants. L'objet pour modifier, voilà, pour faire son armure custom, voilà, son armure custom, et des diamants, et la pierre pour le nether, ou la terre pour ici, dans le monde normal, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à côté, voilà. Donc à côté, c'est ici, voilà. À côté, c'est le tout. Écologique, donc c'est le tout dernier, déjà sous la fin, parce que c'est la fin de la vidéo, voilà. Donc pour vous montrer, voilà, donc c'est la fin de la vidéo, on s'approche un petit peu quand même, voilà. Je fais vite pour finir vite fait. Donc l'écologique maintenant, c'est sous la 1.20. Donc dans l'écologique, il y a le balai pour récupérer les objets. Les objets, c'est ça, voilà, les sortes de débris, des sortes de fragments de débris, voilà, pour faire des pots, pour faire des poteries, voilà. Donc les poteries, t'as le diamant, t'as le creeper, t'as le feu, t'as tout ça, voilà, je vais vous laisser regarder qu'il y a le diamant, le lit, je pense, le feu, le creeper, la potion, l'épée, tout ça. Je laisse en fait regarder tout qu'il y a. Les débats de l'échelle, donc je pense, des fois on peut trouver ce pour, je pense qu'on peut trouver ce pour là, ça seul, ce pour là, ça. Je pense des fois on peut trouver ce pour là, ça seul, voilà. Voilà. Donc il y a tous ces pour, voilà, je vais laisser regarder à nous, voilà. T'as une tête de misère, t'as, voilà, tout ça. Voilà, je laisse tout regarder, voilà. Donc le craft pour faire le pour, le voilà. Donc c'est 4 comme ça sur la table de craft, voilà. Et normalement j'ai pas mis dans le coffre. Ok, voilà. Attends, c'est où là? Non, je rêve. Donc en fait c'est comme ça le craft, voilà. Donc voilà, le craft pour faire les poux, voilà. Donc pour trouver les fragments de débris, je vais vous montrer tout de suite après ça. Donc je vais vous montrer comment faire le craft pour avoir le balai. Pour trouver les anciens débris, ça va être des petits débris, voilà. Donc pour faire le coffre, il faut avoir des plumes, un golem, un lingot de cuivre et un bâton. Donc ça se présente comme ça. Donc on met la plume en haut, le lingot de cuivre en bas, au milieu, et le bâton est là, voilà. Donc pour faire le tout, voilà, je fais ça, voilà, je récupère, voilà. Donc je vais laisser regarder le craft encore, voilà, comme ça, voilà, là c'est le craft pour le balai, pour aller prendre les fouilles, voilà, les fouilles écologiques, le craft, le voilà.
Je vais laisser des deux crafts, voilà. Les deux crafts. Voilà. Donc on va aller, je vais vous montrer là on trouve tout ça. Donc j'ai tout préparé. Donc c'est dans le livre. Donc c'est dans le livre, voilà. Donc on va se retrouver devant le premier totalé. Et après devant, on va aller dans le second. Et après, on va parler des deux animaux qui se trouvent là. Donc déjà qu'on va voir en fait pour savoir c'est où il faut pour savoir là il faut trouver là il faut utiliser le balai il faut avoir ces deux sortes de sable pardon donc il faut avoir ce sable là ça et celui-là c'est le gravier et le sable je vais vous montrer c'est quoi donc il faut avoir celui-là et celui-là. C'est des sables ça fait gravier de sur-pur, hein, sur-pur, voilà. Donc voilà, du sable de sur-pur, du gravier de sur-pur. On le retrouve dans les temples du désert. On va aller voir un temple, j'ai trouvé un temple. Hein, ou aussi dans l'eau, avec les ruines abandonnées dans l'eau. Et aussi dans les sortes de nouveaux ruines que vous allez voir. Donc on va aller voir le temple, on va voir le temple du désert, les ruines et tout ça. Voilà. Vous montrer. Donc allez, je fais une ellipse pour aller vite fait, comme ça on va aller vite fait. Allez, on se retrouve devant le temple du désert, voilà. On se retrouve devant le temple du désert et la ruine. Voilà. Après, là, le temple avant, la ruine, ok. Allez, à tout de suite. Donc, retourne, voilà. Donc, j'ai trouvé un désert, voilà, j'ai tout préparé comme je l'ai dit. Donc, pour trouver les trucs normalement, le sable que je vais vous montrer, il faut chercher, voilà, ici, voilà, là, hein. Donc, j'ai mis en souris, en flash, 0, voilà. Donc, là, ils sont souris, donc, pour trouver. Il faut trouver cette sorte de sable, voilà, pas celui-là, celui-là, que vous voyez là. Donc il faut trouver celui-là, et celui-là, voilà. Je fais ça, regardez. Donc il faut rester appuyé longtemps pour voir que c'est bon. Donc là, un là, donc regardez. Je fais ça, voilà, je balaye le sable, voilà. J'ai trouvé un émeraude, voilà. Rien qu'ici, voilà. Donc si on fouille, normalement, des fois, on peut trouver d'autres. Donc si on ne trouve pas, il faut fouiller en fait pour trouver d'autres. Par exemple, j'ai trouvé un là, on l'a dit là, un là. Je fouille, voilà. Il faut rester appuyé longtemps dessus. Mais des fois, voilà. Bon, j'ai rien dit. Hein. Voilà, j'ai trouvé un diamant. Voilà. Donc il faut essayer de trouver les coins comme ça, voilà. J'ai essayé de trouver un autre pour voir. Je tombe sur un autre au fond là rien ok donc en fait c'est justement ici à ça en fait donc là quand ça fait ça là rien voilà donc il faut trouver exactement il faut essayer de trouver cette route voilà mais qu'en cassant le sable on peut pas trouver donc, il faut essayer de trouver sans faut essayer de trouver ça quand même parce que voilà. Donc là j'ai trouvé deux, voilà, j'ai pas trouvé d'autres. Et normalement on peut trouver. Mais non, on n'a rien. On n'a rien, je pense. Donc si on trouve pas. Attends, on va essayer de voir si on trouve pas là. Je sais pas, des fois ça risque d'être plus bas. Donc il faut fouiller, en fait, fouiller. Si on trouve pas, c'est pas grave. Donc là j'ai trouvé voilà j'ai trouvé un voilà un voilà et voilà donc là j'ai trouvé un ancien un débris voilà de un donc il faut fouiller dans le sable voilà dans le désert ou bien aussi dans les villages je pense dans les villages il y a un ou soit dans les puits voilà donc on peut pas aller fouiller ça comme ça voilà. On ne peut pas fouiller ça comme ça parce que ça donnera rien en fait, voilà.
Donc là, j'ai trouvé un émeraude et un petit diamant avec un débris. Voilà. Donc dans cette part-là, j'ai trouvé ça là. Voilà. Donc il faut trouver peut-être du sable dans un coin. Voilà. Comme là, il n'y a pas de sable. Là, il y a du sable, mais c'est pas ça, sable. Voilà. Voilà. Donc là, en fait. Donc j'avais du pêche. Donc là j'ai trouvé ici un endroit là, voilà. Donc si vous voulez trouver d'autres, il faut vraiment fouiller, voilà, comme là. Donc soit aller en bas, vous voyez comme ça, voilà. Donc là, j'avais allé me TP, voilà. Et des fois on peut trouver les nouveaux sculptures. C'est ça. Donc là, on va aller. Je vais aller me TP, on va aller maintenant devant les nouveaux sculptures. Voilà, un nouveau sculpture est arrivé qu'on peut avoir aussi pareil, les diamants et les machins. Donc je mets ça là-dedans, voilà, pour éviter de perdre tout ça, voilà. Donc voilà, donc on va se retrouver devant la nouvelle sculpture, voilà. Donc je vous dirai, je vais apparaître devant la nouvelle sculpture. Donc on va se faire, je vais faire une ellipse pour vous montrer la nouvelle sculpture. Et aussi, on va parler des nouveaux animaux aussi, voilà. Donc on va parler des nouveaux animaux après ça. Donc voilà. Donc on a des fleurs, des nouveaux animaux, tout ça. Donc on va aller devant la nouvelle sculpture, voilà. À tout de suite, j'ai fini l'ellipse, on va se retrouver devant. Ok, donc voilà, voilà la nouvelle sculpture, voilà. Merci d'un petit peu à découvrir. Donc c'est une nouvelle sculpture, voilà. Donc on va se mettre en souris. Voilà, hop, flash. Game on zero. Donc maintenant, là, des nouvelles sculptures, voilà. Comme là, c'est une nouvelle sculpture, donc. Donc pour les nouvelles sculptures, là, c'est nouveau bloc, voilà, que vous voyez là. Donc c'est un des nouveaux blocs que j'ai montré à l'accueil, à la page de test, voilà. Donc vous voyez, on peut trouver des membranes, ça s'appelle des quoi? Des colorants blancs, voilà. Du courant blanc. Plein de magie là, c'est un truc vrai, quoi. Mais c'est du gravier, ok. Donc on peut casser, on peut avoir du gravier aussi. Bon là c'est du gravier, hein. Bon. Donc pour connaître le tout, normalement il faut vraiment chercher. Voilà. Donc là j'ai trouvé du colorant blanc. Donc peut-être là d'autres trucs. Donc on va voir. Si on cherche, normalement on peut trouver. Normalement. Donc la queue du gravier c'est très différent par rapport à ça. Quand vous faites ça, c'est ça. Voilà. Donc du gravier. Ok. Donc normalement c'est une sculpture, normalement on a plein d'autres comme ça. Donc des fois ça peut descendre plus bas. Donc on va voir si on peut voir si on peut descendre plus bas avec. Bon le fait qu'elle soit en suivi, je peux pas. Ouais mais bon. Donc t'as des nouveaux sculptures, voilà. Non, pas ça. Donc ça c'est une nouvelle sculpture, donc voilà. Donc la nouvelle sculpture peut avoir ça aussi, donc voilà. Oui, tout ça c'est la nouvelle sculpture. Dans la après, voilà. Donc là, là, pas de. Voilà, c'est pas grave. Bon. En tête, moi j'ai trouvé du colorant, voilà. Donc je vais retourner à la page d'accueil, donc ça veut dire. On va retourner là-bas, voilà. Donc on va retourner là-bas, voilà, pour vous parler. On va se parler maintenant des animaux. Donc les deux animaux que j'ai ajoutés, c'est le. Attends, on va aller. D'accord, j'avais montré une autre face aussi, donc. Voilà. Donc aussi, on va parler des animaux qu'ils ont ajoutés. Deux. T'as le sniffer, le sniffer. Et le chameau, voilà. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Si ça veut bien me faire mourir. Voilà. Donc voilà. Hop là. Donc allez, s'il vous plaît. Désolé. Donc on va spawn, je vous dirai à la fin. Je vais faire une ellipse. On va se retrouver devant, ok? Allez, on va se retrouver devant, je vais vous dire. Donc voilà,
Donc maintenant, on a parlé de tout ça que vous avez vu, des nouveaux trucs qu'ils ont ajoutés, et aussi ils ont ajouté deux nouveaux mobs. T'as le Nisfer et le Chameau. Donc pour trouver le Nisfer, c'est tout là, donc il faut aller voir les Wind Sous-Marines. C'est-à-dire les Wind Sous-Marines avec le truc technologique, c'est-à-dire avec le balai. Donc avec le balai qui est ici, avec le balai. La brosse avec le pingou, bon, c'est un nom bizarre. Bon. Avec la brosse, voilà, il fallait dans l'eau, dans les ruines sous-marines. Voilà, donc j'ai trouvé une ruine sous-marine pour vous. Donc on va la voir tout de suite. Donc normalement, il faut avoir, normalement, quand vous trouvez la ruine sous-marine, il faut avoir la brosse pour trouver cet œuf. Voilà. Donc ça c'est l'œuf pour faire spawn le Nifleur, voilà. Le Nifleur, voilà, le Nifleur, voilà. Donc on va le parler maintenant là, sous cet animal, après ce sera celui-là, et des fois ça dit, et après c'est bon, ok? Donc on va aller voir la sculpture sous-marine, la ruine sous-marine, maintenant, donc on va se retrouver maintenant devant la ruine sous-marine, pour parler de Sniffer avec la force sanité qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est il fout dans la terre pour trouver des graines. Donc il fout dans la terre pour trouver ces sortes de graines. Voilà, ces deux graines là, ces deux plantes normalement. Donc voilà, donc il cherche des graines pour nous donner ces deux plantes. Voilà, on va parler de ça maintenant. Voilà, donc on va se trouver devant. La oui, voilà. Sous-marine, bien sûr. Donc, à tout de suite. Donc, tout le monde, voilà. Donc, voilà, donc on a trouvé, voilà. Donc, les ruines sous-marines, c'est ça à peu près. T'as une là. Donc, j'ai trouvé une comme ça au hasard, voilà. Donc, voilà, j'ai mis ça là pour prioriser les bonnes affaires, voilà. Donc, dans la ruine sous-marine, normalement, on trouve les sables qu'on a trouvés dans le Nether. Là, c'est ça de ça qu'on a trouvé en fait dans le temple, voilà, dans le temple du désert. Voilà. Donc voilà, hop, voilà. Donc on a trouvé ces sables de sable dans le temple du désert, dans le temple du désert, pardon. Donc c'est la même chose, voilà. Donc des fois, on peut trouver voilà, exactement, voilà, comme là, voilà. Et peut-être des fois on peut trouver, ça a la chance de trouver l'œuf. Voilà. Ah ben voilà, j'ai pas de chance, je pense pas que j'ai de la chance, quoi. Donc des fois on peut trouver l'œuf, voilà. Là j'ai quoi, j'ai tout quoi, j'ai ce que j'ai trouvé. Ah là là là. Une émeraude. Voilà, j'ai trouvé une émeraude, j'ai pas de chance, quoi. Donc là, j'ai trouvé une émeraude encore, voilà. Voilà. Une émeraude, voilà. Une émeraude, voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres encore plus bas. Donc non, il n'y a pas d'autres. Alors, il n'y a pas d'autres. Dommage. Donc il n'y a pas d'autres encore plus bas. Non, il n'y a pas d'autres. Une boîte que j'ai trouvée. Bon. C'est pas grave. Donc, on va sortir, on va mettre les modes là-dedans. On a deux émeraudes, une pépite. Et voilà. Donc normalement, je me trompe pas, je sais pas si on peut trouver ça dans d'autres ruines. Donc normalement, il faut avoir des sculptures de ruines. Sais pas si elle est là. Attends, j'ai quoi là, pas là, non? Attends, j'ai quoi, je vais voir si c'est une ruine quelque part. Parce que là j'ai trouvé seulement la paleuf, voilà. Donc on a trouvé seulement une émeraude et un machin. Hop là, j'essaie de pas mourir. Voilà. Ah non, non. Surtout pas parce que j'ai pas envie de mourir avec moi. Donc je cherche une autre sculpture, mais apparemment la question de la faute.
Apparemment, la question, c'est pas grave, donc on va. Ouais, je vais vous montrer c'est quoi l'œuf à peu près, ouais. Apparemment, la question là, hein. Ouais, apparemment, la question là, comme sculpture, donc. Sculpture sous-marine, hein, mais bon. Pour le moment, je sais pas si on met bon. J'essaie de trouver une, mais bon. Alors, on n'a pas dans les parages. Je pense pas dans les parages, donc là, seulement celui-là. Donc, c'est pas grave, donc, ok, donc, c'est pas grave. Donc, j'ai pas trouvé, hein, d'autres. On peut être là en tout, et ça, comme ça, non? Donc, c'est pas grave, bon. Bon, on va aller sur ça comme ça, c'est pas grave. Donc en fait, j'ai pas trouvé. Voilà, bon. Donc l'effet n'a pas d'autre, bon. On n'a pas d'autre. C'est juste savoir s'il n'y a pas d'autre. Non, on n'a pas d'autre. Non. Dommage, il n'y a pas d'autre de sorte de sculpture là. Donc on va aller, en fait, on va aller maintenant. On va aller, je vais vous montrer maintenant l'animal. Je vais vous montrer le sniffer que ça fait, voilà. Donc on va aller, non, aller voir le mob, voilà. J'ai fait ce qu'on a que le 9, voilà. Je vais pas faire ce qu'on a que le 9, mais je vais vous montrer le point. On va essayer de voir sa panneau de sculpture. Bon, il n'y a pas. Donc c'est pas grave, on va aller retourner à la case départ. Bon, allez, je vais faire une ellipse, on va se retrouver, ok? Quand on va arriver devant le sniper, ok? Allez, à tout de suite. Je vais vous montrer ce qu'il va faire. Il fait normalement comme une neige, tout ça. Retourne, voilà, donc on est revenu ici, voilà. Donc on va parler du sniffer. Donc une fois, bon, pour le moment j'avais pas de chance d'avoir l'œuf, voilà, du sniffer. Donc j'ai que pari un œuf, voilà, déjà. Donc l'œuf des fois on le retrouve dans les sculptures en ruine sous-marine. Voilà. Donc voilà. Donc l'œuf, c'est ça, voilà. Donc l'œuf, on peut le poser sur la mousse ou sur quelque chose, voilà. Donc le sniffer, c'est lui, voilà, c'est un animal ancien, voilà, qu'on avait voté pour la 1.20 sur la Minecraft Live, dans une heure, il y aura une vidéo sur la prochaine mise à jour, voilà, donc on va parler de prochaine tout encore, voilà. Donc voilà, donc là, j'ai fini ça pour finir, ça va être fait, donc voilà. Donc le sniffer, il est là comme ça, voilà. Des fois il fouille le nez avec son museau, voilà. Des fois il fouille son museau pour détirer ces deux graines, voilà. Donc ces deux graines, on peut pas les pousser comme ça, voilà. Donc on peut pas les pousser comme ça. Donc je vais voir si ils sont les pots à fleurs encore. Donc les pots à fleurs sont où? Ils sont où les pots à fleurs, hein? les pots à fleurs. Donc je sais pas si ça pousse dans les pots à fleurs. Donc on va voir. Non? Non, ok. Ah mais il peut pas réussir un endroit lui. Hein. Donc normalement on peut faire ça planter normalement. Sur de la terre, je pense, la terre normale, voilà. Sans dire, je pense qu'on peut faire ça planter sur la terre. Ouais. Donc il faut avoir la terre pour les faire planter, voilà. Donc pour planter ça, il faut avoir la terre, voilà, quand ça poussera, voilà. Donc il y a plusieurs étapes, tu as la graine et ça monte les racines, voilà, la plante elle-même, voilà. Donc le nifleur vous donne des graines.
je vais planter sur la terre, voilà, ça poussera tranquillement. Donc le nifleur, c'est cette bête, c'est une bête ancienne, voilà. L'œuf, voilà, donc ça prend du temps à pousser, donc normalement ça doit pas, ça prend pas de temps à pousser. Donc voilà. Donc en fait, pour le nourrir, il faut avoir. Ah, dommage. Donc non, pour le nourrir, il faut avoir. J'ai jeté les graines. Bon, ça va. Hop, voilà. Il faut avoir. Non. Voici. Bon, alors pour nourrir le sniffer, j'ai fait du sniffer exprès. Donc il faut avoir ces graines à ça pour faire un bébé sniffer. Voilà. Donc là, je donne un. Voilà. Mais ouais. Bon. Si j'avais pas eu, je sais pas la vie. Voilà. Normalement, attends, je fais une code. Voilà. Donc les sniffers, en fait, ça fait un enfant. Quelle graine, pourquoi ça ne donne pas? Wesh, attends. Voilà. Donc là, normalement, un sniffer, voilà. Voilà, il fait un petit bébé, un petit bébé, voilà. Voilà. Donc l'enfant, où le... Il est où le bébé? Il s'est caché avec sa maman? Ah non. En fait, ça nous donne un œuf, voilà. Donc ça nous donne un œuf, je pense, ouais. Bon. Mais en fait, ça nous donne un petit œuf, un petit œuf, voilà, je pense, ouais. Voilà. Donc, non, 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 non. Donc ça nous donne un petit œuf, voilà. Je pense, soit on trouve... Hop, voilà. Donc ça nous donne un œuf. Bon, pas un petit bébé, c'est pas grave. Non, ça doit nous donner un petit bébé. Je pense pas que ça marche. Non. Bon. Donc non, ça doit nous donner un bébé, mais ça donne un œuf. Pas grave. Donc on pose l'œuf comme ça. Donc ça prend du temps à... Le temps qu'on va finir la vidéo, ça sera déjà poussé, je pense. Voilà. Donc le sniffer, c'est celui-là, voilà. Donc il fouille la terre pour nous donner des graines. Voilà, c'est des graines à ça que vous voyez. Et si on les produit ensemble, ça donne des NF. Voilà. Donc voilà. Donc on arrive presque à la fin de la vidéo. Voilà. Donc pour finir, maintenant on va parler des chameaux. Ils sont là, ils se disent. Et nous, on n'est pas là. Donc voilà. Donc voilà, les petits chameaux sont là. Donc c'est des chameaux, des dromadaires, en fait, je sais plus entre les deux. Donc les chameaux et les dromadaires, on peut mettre une seule. Donc si vous voulez savoir, on les trouve dans les villages du désert. Donc c'est justement là un village quelque part. Donc je vais vous montrer le village du désert et où. Donc voilà. Donc les chameaux, on les trouve dans les villages du désert, voilà. Voilà, dans les villages du désert, on les trouve, voilà. Les chameaux, voilà. Ou les dromadaires, voilà. Donc voilà. Donc on va aller vite fait voir les chameaux. Et après, on va parler des fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, voilà. Quand même. Donc normalement, ça, normalement, on peut mettre les couleurs, tout ça. Pareil que les panneaux normal. Donc c'est la même chose, donc ça va changer, voilà. Donc on va parler des deux fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, je vais vous montrer ça après. Donc on va se retrouver devant le village, avec les petits chameaux. Et après on va parler des deux fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, voilà. Un seul ou deux, je pense c'est deux, voilà, deux fonctionnalités, voilà, qu'ils ont ajoutées sur la version Bedrock. Voilà, donc on va aller voir les chameaux, le village avec les chameaux. On va parler des deux fonctionnalités à la fin, et on va se laisser tranquillement par la fin. Donc tout le monde, on retrouve les chameaux dans les villages, voilà. Voilà, un chameau que j'ai trouvé dans un village, voilà. Donc les chameaux peuvent spawn peut-être à un chameau ou deux, comment dire, peu importe, voilà. Ça spawn dans les villages du désert, voilà. Peut-être à deux ou à un seul chameau, voilà, j'ai pas trouvé deux, mais j'ai trouvé un seul, mais des fois c'est deux ou un seul.
Chameau dans le désert, voilà. Bon. Donc les chameaux, les dromadaires, on les trouve dans les déserts, voilà, dans les villages, voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va parler des fonctionnalités quand même, avant. Donc les chameaux, les dromadaires, voilà. Ils sont là, voilà. Donc là, maintenant, on va parler de deux fonctionnalités, voilà. Donc avant de parler, on va parler de la première fonctionnalité. On va faire ça là, vite fait. Donc, on va faire ça là. Donc la première fonctionnalité qu'ils ont ajoutée dans le jeu, dans la version, voilà, c'est que... Attends, j'ai mis ça. Voilà, j'ai mis ça où là? J'étais où là? Voilà. En fait, ils ont ajouté deux fonctionnalités. Je vais chercher, voilà. Ouais. Donc, ils ont ajouté deux fonctionnalités dans le jeu. C'est par exemple, je prends le livre que j'avais dans mes mains. Donc, avant la première fonctionnalité qu'ils ont ajoutée, c'est ça. C'est-à-dire, comme si je vais écrire, par exemple ici là, maintenant je peux écrire par avant. On ne pourrait pas, par exemple, écrire là. Voilà. Maintenant, on peut écrire là. Voilà. Donc voilà, là on peut maintenant écrire là, on peut par exemple choisir là ou là, peu importe, voilà. On peut écrire que tu veux, voilà, comme ça, voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant on peut écrire sur les livres, c'est-à-dire on peut écrire, faire un espace plus loin, écrire, peu importe, voilà. Écrire. Et après, si tu veux par exemple pas écrire comme ça, tu veux ça, tu veux ça. Maintenant, ils ont ajouté la facilité de choisir la ligne que il faut que tu veux choisir, voilà, dans le livre d'aventure, voilà. On appelle ça un livre d'aventure, de voyage, voilà. Donc là, on va aller dans le spawn, voilà, pour vous montrer la dernière fonctionnalité. Donc voilà, là c'est la deuxième fonctionnalité. Donc on va aller dans le spawn. On va aller spawn vite fait dans le spawn, voilà. Et voyez là, ça c'est une nouvelle F, ça c'est la nouvelle interface qu'on va mourir quand les joueurs meurent. La nouvelle interface c'est celle-là. Maintenant ils ont changé l'interface, voilà, donc pour une autre interface, voilà. Donc on a spawn, voilà, dans la zone de test. Maintenant je vous dis, ils ont ajouté une nouvelle game mode. Voilà. Une nouvelle game mode. C'est la game mode spectateur. Voilà. Donc ils ont ajouté enfin la... Qui fait là? Il s'est couché. Voilà. Des fois il se couche, des fois il se lève. Voilà. C'est comme les dromadaires ou les chameaux. Voilà. Donc ils ont ajouté la game mode. C'est flash. Game mode. Spectateur, ils ont ajouté la fonctionnalité de la 1.20. Voilà. Donc la game mode spectateur, c'est ça. Voilà, on peut voir en bas. Donc ils avaient mis ça en test. Normalement, ils avaient mis ça en test dans une bêta. Donc ça fait pas longtemps, ils avaient fait ça en test une bêta. Donc maintenant, on peut faire ça comme sur Java. Voilà. Donc ils ont mis maintenant, ils ont ajouté la possibilité de faire game mode spectateur maintenant sur la version bêta, voilà. Donc ça fait plus approchement que Java maintenant, voilà. Donc ils ajoutent que toutes ils ajoutent des fonctionnalités que Java a aussi, comme les bateaux. Le corps des bateaux c'est sous Java, ils ont fait ça. Donc la fonctionnalité du game mode spectateur qu'ils ont ajouté sont ajoutées maintenant sur la version bêta, voilà. Donc c'est tout pour la 1.20. Je vais faire une vidéo peut-être plus tard pour la prochaine mise à jour, prochaine date de la prochaine mise à jour. Voilà, ça va sortir bientôt. Donc la vidéo est déjà sortie. Et aussi, que j'ai remarqué, que j'ai vu sur YouTube, c'est les prochaines votes aussi, voilà.
Donc les prochaines ventes des mobs qu'on aurait bientôt, et il a sorti déjà. Donc je fais vite fait ça. Donc cela va sortir dans un quart d'heure maintenant même, ça va sortir. Donc on a présenté les nouvelles armes, la cerisier, les bambous, tout ça. Toutes les fonctionnalités que vous avez vues. Et aussi normalement, attends, je vais vous montrer c'est quoi un biome cerisier. Normalement c'est flash locat biome. Et c'est cerisier, c'est ça? Attends. C'est quoi le biome? Je trouve pas le biome. Et non, c'est cerisier, mais normalement. Je pense que c'est ça. Je sais pas. On verra. Non, non, normalement. Donc, normalement, t'as le biome. Ah bon. Bref. Donc normalement j'ai dû faire ça en bio, mais t'as le biome cerisier normalement. Voilà, on trouve que ça, t'as des ruches, tout ça, donc voilà. Donc dans ce biome on trouve des ruches, des abeilles, tout ça aussi, dans ce biome, donc voilà. Donc je vous laisse tranquillement tout ça, laissez pas des abonnés, d'activer la cloche, tout ça, de me dire en commentaire que vous n'avez pas compris, je vais essayer de vous expliquer en plus mieux dans une vidéo particulière, voilà, particulière. Donc si vous voulez de plus d'informations, je vous dirai ça aussi dans la vidéo, voilà, particulier que je vais faire. Donc on va se retrouver pour la vidéo de tout à l'heure que je vais faire. Pardon, il s'agit de la prochaine mise à jour. On va voir la date de Minecraft Live, voilà. Et les prochains votes aussi, voilà, et tout ça, que tout ça dans une seule vidéo aussi, comme ça. Je vais faire une seule vidéo tout à l'heure, donc restez abonnés, tout ça. Je vous adore, j'espère de vous rejoindre sur X, c'est ancien Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Donc tout ça dans la description de la vidéo, voilà, donc allez-y voir. Et je vous laisse tranquillement sur ça, et je vous adore. Bye, tchuss. À tout à l'heure.